ba congolais nyoso tu ba ngba iba il faut ba tala racite nini ah soko uzali congolais a solo e sengeli otala bobele congo dialogue congo dialogue eh tembete osa si soko di congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele congo dialogue oyeba makamo mazali koleka kuna donc www.congodialogue.com soko za congolais a solo yango wana papa kunzeta lobi yango foko tala ka Tina Congo dialogue. Tina yangu ngai pena yeba kama kamu ma kolega kuna na bosa na te. Ota la kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah. So ata natali congolais so ata ba mendele kwa koki kota la. Congo dialogue.com. Un, il peut pas dire qu'il me connaît très bien. Je l'ai rencontré dans ma vie peut-être 3 ou 4 fois. Okay? Donc je le connais pas, il me connaît pas, je le connais pas. Deux, lui et moi on n'a pas suivi la même éducation au niveau familial. Moi j'ai évolué dans une famille où il y a un père, une mère et des frères et sœurs. Tous faisant partie d'une ethnie, d'une tribu et d'un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et lui ? Lui, je ne sais pas d'où il vient. Quand vous regardez sa tête, vous voyez bien que cette tête-là n'est pas congolaise. La tête de Mouyamou n'est pas congolaise. Mais je ne sais pas. Il y a des Congolais comme ça ici ? Vous pouvez me montrer 2 ou 3 comme ça ? Je n'en connais pas. Deux, je voudrais dire une chose. Sa tête est très drôle. Regardez les Polonais, vous allez trouver qu'ils ressemblent aux Polonais, pas aux Congolais. Dans la tête de Mouyambo. Je voudrais vous dire une chose, parce que moi je vous dis que mes parents sont originaires de Ngandajika. Mon père et ma mère, mes frères et sœurs, toute la lignée se trouve en Ngandajika. Je veux qu'ils nous disent aussi ses parents sont d'où. Est-ce que son père était marié à sa mère? Ou bien son père était la domestique qui travaillait chez les prêtres? C'est qui est vrai, il n'est pas un enfant bâtard. Non, je voudrais demander simplement qu'il nous dise lui-même, parce qu'il veut engager une conversation avec moi pour nous dérailler de discussion sur la loi qui nous intéresse. Mais parce qu'il est venu s'attaquer à moi sur le plan personnel, je voudrais, moi je viens de vous parler de mon père et de ma mère. Pourquoi vous niez tout ce qu'on dit de vous? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vas-y. Si lui, moi je vous ai parlé de mon père et de ma mère, et de mon village, et de ma zone, de mon territoire, là où ils ont grandi et qu'on sort, et de mes frères et sœurs, qu'il nous parle aussi de sa famille, de son père, de sa mère. Ils sont originaires de quel pays, de quelle ethnie? Ils étaient mariés où et quand? Moi, je peux vous donner aussi donc, la date de mariage donc, de mes parents. Donc, s'ils étaient mariés, ils ont un enfant régulier comme moi. Mais s'ils n'étaient pas, c'était un bâtard et ils devraient se taire avant de pouvoir s'attaquer à quelqu'un comme moi. Parce que, je vais vous dire une chose, que si son père est un prêtre polonais, il faudrait qu'il puisse prouver qu'en allant dans le pays de son père, il peut aussi devenir candidat à la présidence en Pologne pour devenir président de la République. S'il ne peut pas aller là-bas, et si on ne peut même pas l'accepter comme citoyen polonais, alors qu'il puisse baisser ses ambitions à la baisse. Pourquoi? Parce que dans mon pays, la République démocratique du Congo, ce n'est pas la République bananière où n'importe quel bâtard du monde peut venir et prétendre devenir président de la République. Très bien, docteur. Apparemment, vous avez épuisé cette proposition de, je dirais, proposition de loi, etc. Aux USA, puisque... Avec Donald Trump, rappelez-vous, avec Donald Trump, il disait toujours l'Amérique aux Américains. Moïse Katumbi, aujourd'hui Mouyambo soutient Moïse Katumbi. Il est tout à fait d'accord avec sa logique. On dit Moïse Katumbi est juif. Un, il ne peut pas dire qu'il me connaît très bien. Je l'ai rencontré dans ma vie peut-être 3 ou 4 fois. Okay? Donc je ne le connais pas, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Deux, lui et moi, on n'a pas suivi la même éducation. Au niveau familial, moi j'ai évolué dans une famille où il y a un père, une mère et des frères et sœurs, tous faisant partie d'une ethnie, d'une tribu et d'un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et lui ? Lui, je ne sais pas d'où il vient. Quand vous regardez sa tête, vous voyez bien que cette tête-là n'est pas congolaise. La tête de Mouyamou n'est pas congolaise. Mais je ne sais pas. Il y a des Congolais comme ça ici ? Vous pouvez me montrer 2 ou 3 comme ça ? Je n'en connais pas. Deux, je voudrais dire une chose. Sa tête est très drôle. Regardez les Polonais, vous allez trouver qu'ils ressemblent aux Polonais, pas aux Congolais. Dans la tête de Mouyambo. Je voudrais vous dire une chose, parce que moi je vous dis que mes parents sont originaires de Ngandajika. Mon père et ma mère, mes frères et sœurs, toute la lignée se trouve en Ngandajika. Je veux qu'ils nous disent aussi ses parents sont d'où. Est-ce que son père était marié à sa mère? Ou bien son père était la domestique qui travaillait chez les prêtres? C'est qui est vrai, il n'est pas un enfant bâtard. Non, je voudrais demander simplement qu'ils nous disent lui-même, parce qu'il veut engager une conversation avec moi pour nous dérailler de discussion sur la loi qui nous intéresse. Mais parce qu'il est venu s'attaquer à moi sur le plan personnel, je voudrais, moi je viens de vous parler de mon père et de ma mère. Pourquoi vous niez tout ce qu'on dit de vous? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vas-y. Si lui, moi je vous ai parlé de mon père et de ma mère, et de mon village, et de ma zone, de mon territoire, là où ils ont grandi et qu'on sort, et de mes frères et sœurs, qu'il nous parle aussi de sa famille, de son père, de sa mère.
ils sont originaires de quel pays, de quelle ethnie, ils étaient mariés où et quand. Moi, je peux vous donner aussi donc, la date de mariage donc, de mes parents. Donc, s'ils étaient mariés, ils ont un enfant régulier comme moi. Mais s'ils n'étaient pas, c'est un bâtard et ils devraient se taire avant de pouvoir s'attaquer à quelqu'un comme moi. Parce que, je vais vous dire une chose, que si son père est un prêtre polonais, il faudrait qu'il puisse prouver qu'en allant dans le pays de son père, il peut aussi devenir candidat à la présidence en Pologne pour devenir président de la République. S'il ne peut pas aller là-bas, et si on ne peut même pas l'accepter comme citoyen polonais, alors qu'il puisse baisser ses ambitions à la baisse. Pourquoi ? Parce que dans mon pays, la République démocratique du Congo, ce n'est pas la République bananière, où n'importe quel bâtard du monde peut venir et prétendre devenir président de la République. Très bien, docteur. Apparemment, vous avez épuisé cette proposition de, je dirais, proposition de loi, etc., aux USA, puisque avec Donald Trump, rappelez-vous, avec Donald Trump, il disait toujours l'Amérique aux Américains. Moïse Katumbi, aujourd'hui, Muyambo soutient Moïse Katumbi. Il est tout à fait d'accord avec sa logique. On dit Moïse Katumbi est juif. Congolais, il faut battre la racine. Nini. Ah, ce que vous dites, Congolais, à solo, et signer le haut à la bobelle Congo Dialogue. Congo Dialogue? Eh, t'embêtez. Aux assis. Ce que vous dites, Congolais, à solo, au coquille, au zanga, au colo, mon côté, et signer le haut à la bobelle Congo Dialogue. Oyeba, ma camo, ma salle, collègue, Kakuna. Donc, www.congodialogue.com. Ce que vous dites, Congolais, à solo. Yango, papa, vous êtes à l'objet, il faut que vous êtes à Congo Dialogue. Congo Dialogue.com.